Eh bien bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nouvelle mise à jour de Forza Horizon 5 qui amène son gros lot de bugs. Encore une fois, c'est infernal. Donc, premier démarrage, le PC optimise la nouvelle mise à jour. Voilà, c'est presque fini. Donc ensuite, on peut voir qu'il y a une nouvelle course au stadium. C'est un circuit sur ovale. Donc c'est la première course sur circuit qu'on a vue depuis très longtemps. Alors, je sors de ma maison. Et là, vous pouvez remarquer, je suis en marche arrière. Déjà, c'est extrêmement agaçant. Parce que pour démarrer, il vaut mieux être en première. Et quand j'essaye de passer à première, le premier enclenchement ne fonctionne pas. Il faut appuyer une deuxième fois, voilà, pour que ça passe en première. Qu'est-ce que c'est que ce bug débile? Vous avez atteint votre destination. Donc, on va essayer le nouveau circuit. La course va commencer. Heureusement, je suis en première. J'accélère et pip, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'appuie deux fois sur la vitesse pour passer en seconde. Et les autres vitesses passent correctement. Mais le premier démarrage ne fonctionne pas. J'essaie une autre course, quoi, parce que c'est peut-être la course. Alors je laisse passer tout le monde. Pour avoir le temps de faire mon petit test. J'accélère tranquillement. Clac. Voilà, ça n'est pas passé. Faut que j'appuie une deuxième fois pour passer à la deuxième. Non mais, ils hallucinent chez Tenpen. Il doit y avoir un responsable des nouveaux bugs chez eux. Et quand on sort de la course, eh bien on est en marche arrière. C'est extrêmement chiant parce que moi je veux avancer, je veux pas reculer. Donc après je sors du jeu. Et là, magnifique bug, Steam ne se synchronise pas. Bon. On ne sait pas ce qui se passe, je force la synchronisation, ça ne fonctionne pas. Tant pis, je redémarre l'ordinateur, je relance Steam, je force la synchronisation, il ne se passe rien. Donc ça veut dire qu'on vient de se taper 7 gigas de mise à jour pour avoir que des merdes.